c'est la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Monaco. C'était en direct sur notre antenne. Et le Barça qui, rapidement, s'est retrouvé à 10 avant de s'incliner par 2-1. Est-ce que cette défaite vient jeter l'ombre d'un doute sur le début de saison pourtant presque parfait de Barcelone? José, vous étiez au stade à Monaco. Donc, est-ce que ce Barça vous a un petit peu inquiété ou est-ce que vous lui accordez suffisamment de circonstances atténuantes? Inquiété, non, parce que, à mon sens, l'exclusion vraiment prématurée de Garcia fausse vraiment la donne. J'ai envie de rester sur l'impression, en tous les cas, du début de saison. Il y a un nouvel entraîneur qui a clairement mis sa patte sur l'effectif, qui met en place vraiment son schéma tactique. Il y a des joueurs quand même importants. Je pense à Pedri qui était blessé sur la dernière saison, qui reprend de l'épaisseur donc, dans ce collectif. Offensivement, il y a un joueur qui devient maintenant incontournable, c'est bien évidemment donc Lamine Yamal. Donc ils ont le joueur plus quand même. Un Rafinha qui justement dans un rôle aussi différent excelle en ce début de saison. Et puis il manquait aussi un joueur qui fait beaucoup dans cette animation offensive, c'est Olmo, donc qui était aussi blessé. Donc c'est un effectif qui est meurtri quand même par les blessures. Oui. Le point d'interrogation, c'est Ter Stegen. Maintenant, qui est également blessé, et Ter Stegen, lorsqu'il était absent la saison dernière, 2 mois d'absence, c'était très compliqué dans l'aspect défensif. Donc. Mais sinon, collectivement, je n'étais pas inquiet par rapport à cette défaite. On va continuer sur l'aspect défensif. Est-ce que ça sera forcément le point négatif de cette saison, le point faible du Barça de cette année-là? Mais il y a une prise de risque qui est assumée par Hansi Flick. On l'a vu dans le sujet avec cette ligne très très haute. Elle est privée quand même d'éléments importants. Ronald Araújo, par exemple, qui n'est pas là, qui est blessé de longue date, qui est censé être le patron de cette équipe. Alors qu'on voit que Inigo Martinez, on a pu le voir face à Monaco, n'était pas très très rapide pour jouer aussi haut sur le terrain. Donc voilà, c'est une équipe qui manque, je pense, de sérénité défensive, qui pour l'instant a, grâce à cette ultra possession vers l'avant, des situations où elle récupère le ballon essentiellement. Dans la zone adverse, mais attention, voilà, on a vu tous ces buts encaissés dans le dos, et je pense que cette équipe, oui, elle est fragile et fragilisée encore un peu plus maintenant par l'absence de Marc-André Ter Stegen. Eh oui, on en parle justement de cette absence-là. C'est une blessure qui a fait du bruit en Espagne ces derniers jours. José parlait tout à l'heure de sa doublure, Iñaki Peña, qui avait déjà disputé 17 matchs la saison dernière lorsque Ter Stegen s'était blessé. Le bilan n'a pas été très bon à ce moment-là pour la défense du Barça. En 17 matchs, 32 buts encaissés, 5 défaites et seulement 3 clean sheets pour Iñaki Peña. La question maintenant, c'est de savoir si le Barça va faire confiance à Iñaki Peña ou s'ils vont se tourner vers un gardien qui est libre, qui est disponible sur le marché. Ça pourrait par exemple être le cas de Keylor Navas, le problème. C'est qu'il a déjà joué au Real Madrid. Et c'est ça, effectivement. En tout cas, il n'y a pas que du négatif du côté du Barça. Vous l'avez cité, c'est Lamine Yamal qui est la révélation de ce début de saison. Et vous vouliez nous en parler avec la palette, mon cher Lian. Oui, parce qu'on a quand même un souci d'animation offensive dans cette équipe du Barça. C'est vrai que Pedri et Gavi ne sont pas là, donc on cherche un petit peu ce meneur de jeu. Et dans cette défense qui est très très haute, on a un problème avec la prise d'espace. Regardez, il a Lamine Yamal, qui est pour l'instant ce garçon généreux, qui est là chargé de remonter les ballons. Vous le voyez, c'est lui qui vient ici faire des différences, qui est en train de garder ce ballon. Vous voyez, la course de 58 mètres, il a deux solutions, vous le voyez, avec écarté pour Koundé ou alors pour Dani Olmo, et il va avoir le génie d'aller chercher cette passe au milieu de trois défenseurs. L'appel de Rafinha à plein axe qui a le mérite d'y croire. Voilà, ça se transforme en but, en tout cas, voilà, sur cette prise d'élan. Vous allez voir dans une autre situation que Lamine Yamal, sur son seul talent, arrive à libérer, à cacher un petit peu la forêt et la misère offensive du côté du Barça. Regardez, il récupère le ballon, il a levé la tête face à Villarreal, il regarde alors qu'il est dans sa moitié de terrain, va envoyer ce ballon à peine dosé, juste ce qu'il faut. Vous allez revoir ici, la passe fait 39 mètres, elle est servie de l'extérieur du pied, juste après la ligne médiane, vous le voyez, et on va essayer d'aller chercher comme ça l'attaque dans le dos de la défense Eric Bailly. C'est vrai que c'est pas le point fort non plus, la vitesse de la défense de Villarreal. Il y a ce ballon qui est parfaitement dosé pour le Brésilien, voilà, qui se propose encore une fois. Mais donc voilà, Lamine Yamal, c'est celui qui crée des différences, c'est celui qui, pour l'instant, réussit à faire exister cette équipe et facilite, sauvegarde un petit peu les matchs du côté du FC Barcelone. Effectivement, à la fois à la création et à la finition, Lamine Yamal. Cédric, est-ce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ce jeune homme? Est-ce qu'il peut porter à lui seul cette équipe du Barça? Bon, alors pour le bien du FC Barcelone, ce serait bien que d'autres joueurs prennent aussi le lead. L'année dernière, il n'y avait pratiquement que lui. Alors, c'est très bien, hein, parce que c'est un joueur qui est très talentueux, mais pour un club comme le FC Barcelone, je pense qu'avec l'arrivée d'Olmo, Lewandowski qui est en pleine bourre aussi en début de saison, c'est aussi une bonne nouvelle. Ils auront besoin d'avoir plus qu'un seul joueur, hein, et en plus un très jeune joueur, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi le faire reposer. Mais c'est un joueur plus, comme dit José. Hein. Ah, ben c'est le leader de cette équipe, hein. C'est le leader technique. Ouais. Même si Rafinha... Même dans l'attitude, il commence à être un leader dans l'attitude. Oui, ce qui est bien, c'est que d'autres joueurs comme Rafinha, dont je n'étais pas forcément en fan, ils commencent aussi à avoir une attitude un peu plus positive, à faire plus d'efforts.
et être meilleur aussi, plus décisif. Donc tout le monde dans le sillage un petit peu de Lamine Yamal. Dans les jeunes talents comme ça du FC Barcelone, il y a eu Ansu Fati et il s'est blessé. Il y a eu Pedri et il s'est blessé. Il y a eu Gavi et il s'est blessé. Donc il faut retenir la leçon. Ouais. Maintenant. Il faut retenir la leçon parce qu'il joue beaucoup, il est très sollicité, même sur ce match-là. Alors je suis très content, moi j'ai commenté le match, de le voir faire ce genre de passe à la 85e. Maintenant, vu l'ampleur du score, c'est bien aussi parfois de le faire sortir parce que c'est des saisons à 80 matchs. À l'époque, même si Messi n'aimait pas sortir, c'était des saisons plus à 50, 60. Là, on est passé dans une autre sphère. C'est vrai que c'est le thème du moment, hein, les saisons interminables. Le Barça s'est incliné 4-2 sur la pelouse de Osasuna. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, si on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, tu peux t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est qu'on est parti. Alors, le Barça s'est incliné 4-2 sur la pelouse de Osasuna. 4-2. Est-ce que ce Barça-là est en train de s'effondrer? Vous savez que le Barça a perdu. Ils ont perdu en LDC contre Monaco. Ce Barça-là, est-ce qu'ils sont en train de s'épuiser? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que cette défaite contre Osasuna, il faut quand même relativiser les choses. Puisque le Barça a joué avec une équipe B. Ce Barça-là a joué avec l'équipe B. C'est quand même... c'est une défaite, certes, mais c'est une défaite... ce n'est pas les titulaires qui ont joué. Ce n'est pas les titulaires qui ont joué ce match. Ce sont des garçons comme les Victor, les Paul Victor, bref. Rien que les gamins du centre de formation. Il y avait quelques titulaires à gauche, à droite et tout, mais globalement, c'était l'équipe B du Barça qui a joué ce match. Donc, c'est pour ça que moi... Je ne prends pas ce match vraiment au sérieux parce que ce n'est pas les titulaires qui ont joué. Le Barça garde encore de l'avance, 3 points d'avance sur le Real. Moi, je pense que le Barça va se relancer. Lorsque le Barça va récupérer tous ces blessés-là, lorsque le Barça va récupérer tous ces blessés, à mon avis, c'est une équipe qui va revenir très, très forte. Ce Barça-là, ça va revenir très, très fort, les amis. Moi, je ne suis pas inquiet pour ce Barça-là. Je suis pas inquiet pour ce Barça-là. Peut-être le secret défensif, défensivement, ils doivent s'améliorer, certes, mais globalement, lorsque je vois ce que Andy Flick est en train de faire, il y a vraiment du positif. Il y a du positif globalement. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour ce Barça-là? Dis-moi tout. Et si tu n'es pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.